À toutes les unités, mobilisation de niveau 4, emplacement tour Fisk. Fisk ? À la tour Fisk, toutes les unités en stand-by, attente de mandat. Est-ce que vous l'avez arrêté ? Non, on est à la tour Fisk, mais on n'a pas le mandat. Ça vous dérange si je joue avec vous ? Vous connaissez ces avocats. On doit faire ça dans les règles. Allez, Yuri, ça fait 8 ans que j'attends ça ! Vous voulez m'aider ? Allez à Times Square. On dirait que ces hommes essaient d'empêcher les renforts d'arriver sur place. Ok, c'est comme si c'était fait. Allô ? Peter ? Où es-tu ? Nous devons répéter la démonstration au moins une fois avant l'arrivée du comité de subvention. Oui, pardon, je règle un problème personnel. J'arrive tout de suite, promis ! J'ai intérêt à me dépêcher pour être à l'heure à mon vrai job. Yuri a appelé la cavalerie. On a besoin de renforts. 10-30 de Times Square, officier prêt pour cible. Sortez le poids lourd. Bien frappé. Alors je vous préviens, j'ai la pêche aujourd'hui. Client suivant. Passez derrière!
presque fini. Et vous? On est sur le point d'entrée. Me dépêche. J'ai hâte de voir la tête de Willy quand vous lui passerez les menottes. Ok, Yori, c'est bon. Qu'est-ce qui se... Yori? Yori! Je savais que Fisk se laissera pas faire. Demandez des renforts et verrouillez l'espace aérien. Yori, tout va bien? S'il arrive à sortir du bâtiment, on va le perdre. Du coup, je vais... Ouais, allez-y. Yes! C'est le grand jour, Willy! Faites gaffe! Hé, où tu vas comme ça? C'est cadeau! J'ouvre la voie! Allez-vous-en, Spider-Man, contrôle! Désolé de vous le dire, mais vous contrôlez rien du tout! Tu vas tout faire foirer! Oh, merci pour le soutien! Ça me touche! À vue d'œil. Allez, il est tout seul. On peut encore la voir. Je l'ai fait. C'était le dernier. Allez, allez! Ils ont bloqué les ascenseurs! Par les escaliers! Je préfère une approche plus directe. Spider-Man, au rapport. Je suis en train de monter, en priant pour que personne ne prenne l'ascenseur. Nos hélicos essuient des tirs. Fisk semble avoir posté des hommes armés à tous les étages. Il a peur. Et on peut dire qu'il ne lésine pas sur les moyens. Je dois le trouver et l'arrêter. Pas encore. On vient de capter un message. Ils sont en train de vider leur serveur. Il nous faut ses preuves si on veut le faire tomber pour de bon. Ok, cap sur les serveurs. C'est Tante May. Il vaut mieux que je réponde. Salut Tante May. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Je regarde un film de super-héros. Qu'est-ce qu'il y a? Je voulais m'assurer qu'on dîne toujours ensemble demain soir. Bien sûr! Hostile. Écoute, à l'étage supérieur. Je peux te laisser. D'accord. Je t'embrasse. Moi aussi. Spider-Man! J'ai un doute. Vous savez que ça va mal finir pour vous.
C'est vrai. Allez, au suivant. Voilà. Alors, tu regrettes tes choix de carrière? Un coup de chance. Eh oui. On t'aura mort, type. Puisqu'il n'y a pas de préférence. Plaquez-le au sol. On peut rien faire tant qu'il est en l'air. Il faut que je trouve ces serveurs avant que l'épreuve ait disparu. Je vois pas où ils auraient mis des serveurs à cet étage. Si je passe par là, ils détruiront toutes les preuves. Mieux de chercher un accès discret. Et voilà. Je rentre pour bonne conduite. Fisk est peut-être un sale criminel, mais sa ventilation est hyper propre. Plus vite, le boss veut que tout disparaisse. Je peux pas aller plus vite que la bâtisse. Ils sont trop mignons quand ils se doutent de rien. C'est le service technique? J'ai oublié mon mot de passe! Ne laisse pas approcher ta console! Défendez-le, sérieux! Attention, suppression totale imminente! Moi qui pensais que les techniciens de mon ancien job étaient nuls? Faut que j'accède à cette console avant que tout soit perdu. On va tester l'efficacité de leur sécurité. Oh, vous avez oublié d'installer le dernier patch. Se cacher dans la salle des serveurs, c'est lâche, même pour toi. Hé, hey, c'est pas moi qui efface vite fait mon historique de recherche. Après toutes ces années, tu n'as pas changé. Tu es toujours un gamin naïf. Hein? Mais c'est ce qui fait mon charme, non? Va au diable. Enfoncez-moi cette porte! Éliminez-le! Détruisez tout! Fais-le! Regarde autour de toi! C'est mon œuvre! Qu'est-ce que tu as accompli, toi? Eh ben, une fois, j'ai arrêté un grand criminel prétentieux avant mon petit déjeuner. Sans moi, la vermine que je tire en laisse va se répandre. Et ce sera ta peau. On en a vécu des choses, Fisk. Je suis presque triste que ça s'arrête. Loin de là. Dans ce cas, prépare-toi bien pour la suite. Yori! Une explosion à... J'ai vu. Fisk a pu piéger tout le bâtiment. J'envoie une unité de déminage. Je ferai en sorte qu'ils aient le champ libre. Mettez-lui une grenade. Abandonne et je serai gentil avec toi. Peut-être. Un coup de chance. Je vais t'apprendre à respect. Je crois que c'était le dernier. C'est bon, on y va! Salut les gars! Les bombes font partie du plan de Fisk pour fuir! Ils doivent être coincés! Occupez-vous d'eux, nous on se charge des bombes! Piégé par les... Tout le monde dehors! Évacuez le bâtiment! Il faut faire sortir ces gens. J'ai entendu d'autres personnes par là. Je les trouverai.
peux pas bouger! Je vais les soulever. Dès que possible, foncez! Si vous le pouvez, aidez les blessés. Compris? Allez! Pas au lit. J'arrive! Spider-Man, c'est Yuri. Comment ça va, capitaine? Ça pourrait aller mieux. Nos hélicos ont souffert, on a dû rappeler le dernier. Si Fisk appelle un hélicoptère, on n'a rien pour l'empêcher de se poser. Et on n'a rien pour le poursuivre s'il décolle. Pourquoi j'ai l'impression que c'était son plan depuis le début? Parce que c'est sûrement le cas. Oh. Yuri, faites monter les secours, vite! On essaie. Attention! Ça suffit comme ça. Encore des roquettes? Ça fait pas un peu beaucoup? L'équipe de déminage a réussi à passer ça. Patience, il y en aura pour tout le monde. Les démineurs doivent être quelque part devant. J'espère qu'ils vont bien. Vous allez bien? On était sur le point d'appeler des renforts. Eh ben, je suis là. Passez devant. On sera juste derrière vous. Attention, chef. Depuis le début ? Ah, j'ai l'image dans la tête maintenant ! Votre plan n'a pas marché ! Place au plan B ! Vous prenez une dérouillée ! Faut pas qu'il entre dans le bureau ! C'est quoi pour le tuer ? Hey Yuri, on dirait que certains de vos hommes bossaient pour Fisk. La bonne nouvelle, c'est que c'était le dernier rempart de Willy. Je suis devant son bureau. Arrêtez-le, maintenant. Avec plaisir.
On écrit ses mémoires ? Oublie surtout pas le tirer entre Speeder et Man. Préparez l'hélicoptère. Ce ne sera pas très long. Je suis surpris que t'aies pu venir jusqu'ici. Mais tes pitreries s'arrêtent là. T'es conscient que je te vois toujours, là ? 8 années de cette insolence. C'est pour moi ? Fallait pas ? Je dois attendre le bon moment. Ça recharge. Allez, c'est le moment. Qu'est-ce que tu fais ? Faut que je pousse le canon. Comment c'est possible ? Eh ben Willy, t'as pas l'air content ? Je vais t'aplatir ! Essaie toujours ! Cette ville a de pire. J'allais dire la même chose de toi. Vous savez quoi faire. Allez, encerclez-le. Crétin. Vous êtes formé au combat. Battez-vous. Pas trop vite. Je ne veux pas entendre d'excuses. Pourquoi je vous paie. Non ! Je peux me défendre tout seul ! Entrez-lui dedans ! Attention ! Imbécile ! Sur le côté ! Où sont passés les renforts ? Je sais pas, boss. C'est là qu'on s'embrasse ? Ah, c'est plus tard. Alors tu vas enfin voir Riker. C'est drôle, je crois que t'as plus d'ennemis que moi là-bas. T'imagines vraiment que ce petit désagrément va suffire à m'arrêter ? Bon, faut que je file. Hey. Bonne chance, Willy. Je crois que tu vas en avoir besoin. Crétin. C'est moi qui maintenais l'ordre dans cette ville. Tu verras. Dans un mois, tu vas me supplier de revenir. Le Kingpin va aller en prison.
C'est la fin d'une époque. Il faudrait fêter ça. Ou peut-être prendre des vacances. Où es-tu? Le comité va arriver. Nous devrons encore vérifier le matériel. Je suis tout prêt. À quelques rues. Je me débrouillerai sans toi. Non, c'est trop dangereux. J'adore l'enthousiasme du Doc, mais ça a le don de lui créer des problèmes. Je ferais bien de me dépêcher avant qu'il se blesse. Pardon, je suis en retard, je me... Wow. Vous avez déjà commencé? La direction du comité de subvention sera bientôt là. T'en fais pas, Peter. J'ai inventé cet équipement, je crois pouvoir m'en sortir. Le filtreur électrique! Pas vrai! On devrait peut-être arrêter! Pas encore! Tenez bon! Docteur Octavius, est-ce que ça va? C'est pas encore ça. Mais on progresse. Vous
Vous êtes blessé ? Non, mais tout était de ma faute. Attendez, les niveaux d'énergie ont dépassé nos espérances. D'un certain point de vue, c'est un développement très positif. L'odeur n'augure pourtant rien de positif. Je vous assure, la phase suivante... Ne nous emballons pas si vite. Est-ce qu'on pourra aller en discuter autre part ? Tu peux prendre le reste de ta journée, Peter. Mais on en reparlera plus tard. C'était une catastrophe. Pourquoi le filtreur a pas marché ? Le doc m'a dit de prendre ma journée, mais... Je veux comprendre ce qui s'est passé. Oh... T'es pas en grande forme, toi. Voyons d'où vient le problème. Le circuit a grillé. Oh, c'est pas vrai. Si j'avais été là pour faire les contrôles, je l'aurais remarqué. Ça y est. Voyons, on redirige les commandes du cerveau moteur.
Parfait. Ok. Et ensuite... Et on redistribue la tension. Fini. Voyons si ça marche. Comme neuf. Le doc a testé de nouveaux matériaux pour les prothèses. Il m'a demandé d'y jeter un coup d'œil quand j'aurai le temps. J'ai qu'à faire ça maintenant. C'est le grand jour. Audit du comité de subvention. Nous sommes prêts. Le doc a testé un nouveau conducteur pour les prothèses. Composite hydrogel polymère. Résistant, mais avec une forte impédance. Je devrais dire au doc d'explorer d'autres pistes. Bon, je ferais mieux d'y aller avant d'aggraver encore la situation du doc. Spider-Man, c'est Yuri. Alors, c'est ce qui est arrivé à Riker ? Non, pas à Riker. Notre ami a eu droit à un traitement VIP. Il est dans le raft. Ah ! Il rejoint Scorpion, Electro et toute la bande. Le gratin est là-bas. Fisk devrait être content.
Vous pourriez passer au commissariat? J'ai un problème et j'ai besoin de vos talents tout particuliers. À vous, Yuri! Je refuse de rien! J'arrive tout de suite! On dirait que Jameson a sorti un nouvel épisode. Je me demande ce que mon plus grand fan pense de l'arrestation de Fisk. Bienvenue dans État de fait avec J. Thomas Jameson, l'émission où les auditeurs prennent la parole sur notre ville et son actualité. Notre lauréat d'un prix Pulitzer... Non, deux! De deux prix Pulitzer et ancien rédacteur en chef du Daily Bugle. Le bouquin! Et comme toujours, si vous commandez l'ouvrage de Monsieur Jameson, Spider-Man, Danger ou Menace, dans les 24 heures suivant la diffusion, vous recevez un exemplaire dédicacé sans frais supplémentaires. Mais pas d'autographe à votre nom, c'est pas la peine de réclamer. Bienvenue dans État de fait, avec J. Jonah Jameson, qui vous alerte sur les menaces dont vous n'avez même pas conscience. Vous êtes à l'antenne, parlez! Bon, alors malgré vos opinions, on peut dire que Spider-Man a fait du bon boulot en arrêtant Wilson Fisk. C'est vrai, une crapule en moins, tout le monde y gagne. Ben voyons. Dites-moi, vous êtes quoi? Policier? Procureur? Ou comme moi, un journaliste chevronné, récompensé par deux Pulitzer? Ah non, non, je suis plombier! Oh, super! Alors réparez mes toilettes et fermez-la! Je vais vous expliquer un truc sur les barons du crime. Dès qu'il y en a un qui tombe, tous les barjots avec un flingue, un survêt et une chaîne en or se prennent pour le nouveau parrain. Ça va être la guerre des gangs dans la rue! Et vous croyez que ça lui fait quelque chose à ce crétin masqué? Il s'en tape! Il est passé à la télé! C'est tout ce qui compte! Ouais, bah n'empêche que je peux me fournir en tuyau de cuivre sans verser de bacchiche. Alors en attendant votre guerre des gangs, moi je soutiens l'araignée! Et vous changerez de disque quand trois nouveaux gangs viendront vous faire payer trois fois vos tuyaux. Ou vous casser les jambes. Bonjour chez vous. Oh. Un jour, Jonah, j'arriverai à te faire dire quelque chose de bien sur moi. Tu verras. Maintenant que vous avez arrêté de fumer, vous dites quoi à vos collègues quand vous montez ici? Je leur dis que j'en ai ras-le-bol de voir leur tête. Ça se tient. Alors, qu'est-ce qui se passe? Besoin d'un cavalier pour le bal? Vous avez un speeder smoking? De toute façon, il n'y aura pas de bal cette année. Tout le budget est passé dans le matériel de surveillance d'Oscorp. Mais ça valait le coup, non? Ouais, c'est vrai. Jusqu'à ce matin. Le système nous a lâchés. Dans toute la ville. Toutes les tours. Comment ça? Apparemment, quelqu'un a saboté le serveur central et depuis, toutes les tours sont HS. Un de vos hommes? Peut-être. On verra ça plus tard. La priorité, c'est de remettre les tours en marche. Et vite. Et donc, c'est moi que vous appelez? Oh, c'est adorable. J'ai appelé une personne de confiance. Et puis le signal est brouillé, on ne sait même pas comment y remédier. J'adore les défis! Si vous cassez, vous payez! Je croyais que vous me faisiez confiance! Jetons un coup d'œil à cette tour. Les fréquences d'entrée sont inversées. Subtil. On vient juste de récupérer une tour. C'était vous? J'en ai sous le masque, hein? Quoi que vous ayez fait, vous pourriez le refaire avec les autres tours? À votre service. Ah, pour info, j'ai dû me synchroniser avec la tour pour la réparer. Je peux voir toutes les données criminelles du secteur. Et on dirait bien qu'il y a un cambriolage pas loin de moi. Parfait. J'ai des unités pas loin. Pas la peine. Je m'en occupe. Vas-y.
couvre-moi. Je doute que ces types aient oublié leurs clés. Stoppez-le! Ok, c'est plié. Merci. Maintenant, je vois une agression près de vous. Ah, vous avez de la chance? J'ai justement un vieil inspecteur Bougon au cœur d'or sous la main. Quoi? Non. Vous m'avez promis que vous ne feriez... L'inspecteur Spider. Je vous en prie. Alors, c'est toi la balance. Dégage, raclure. Ouais, c'est bien elle. J'ai dit dégage! Mais fiche-moi la paix! Boucle-la un peu. Ne me touche pas! Allez. Laissez-la tranquille! Allez, il peut rien contre nous. Tous. Pas de toucher d'ici! Je l'ai blessé! Dégage d'ici, ou je la bute! Lâche-moi! Tout va bien, madame. Je savais que Jameson se trompait sur toi. T'es un peu bizarre, mais t'as un bon fond. Est-ce que vous avez un endroit où aller? Je peux me débrouiller toute seule. J'en doute pas, mais au cas où, il y a un endroit appelé le Centre Fist. Je sais, mais je veux pas la charité. Ils font les meilleures galettes de blé de la ville. Et de loin. Ma mère m'en faisait. J'en ai pas mangé depuis... bien longtemps. Ok, j'irai peut-être. Merci, Spider-Mec. Non, mais c'est Spider-Man, mais... Oh. Je devrais pouvoir repérer la prochaine tour de là-haut. Depuis son promontoire, l'inspecteur Spider observe sa destination, la deuxième tour de surveillance. Vous faites une voix de narrateur? Quoi? Bien sûr que non. Le chef ne comprenait pas l'inspecteur Spider. Elle n'appréciait pas ses méthodes. Je sens que je vais le regretter. Je suis sûr que je pourrais modifier ces tours pour détecter plus que des crimes. Bingo! Les tours captent maintenant toutes sortes de radios identifiants. Dont un juste là. Qu'est-ce que c'est? Wow.
un de mes vieux sacs à dos de l'époque du lycée. J'avais oublié que j'y avais fixé une balise. Je me demande s'il y en a beaucoup dans la ville. Toujours là ? On a un vol à quelques rues de là. L'inspecteur Speeder s'en charge. Mi-homme, mi-araignée, 100% flic. Salut! Ah! Spider-Man! Tue-le! Il en arrive d'autres? Les gars, si vous vous donniez autant de mal dans un vrai boulot, vous auriez pas besoin d'être criminel. C'est bon, Yuri. Je vais réparer la dernière tour de Chinatown. Vous voulez dire que l'inspecteur Speeder va la réparer ? J'y ai bien réfléchi, Yuri. Être policier, c'est un truc de jeune. Et l'inspecteur Speeder, c'est plutôt un vieux de la vieille. Pourvu que ce soit bien ce que je pense. À partir d'aujourd'hui, l'inspecteur Speeder prend sa retraite. Ah, oh, Dieu merci, j'ai besoin d'un verre. Nous trinquerons tous ce soir à la mémoire de l'inspecteur Speeder, l'infatigable... Yuri ? Yuri, vous êtes là ? Ah. Elle a dû être submergée par l'émotion du moment.